La redynamisation du secteur de l'enseignement technique et professionnel se poursuit. À cet effet, dans le cadre du projet AVIC, projet de conception, de construction, d'équipement et d'assistance à l'exploitation et à la maintenance des 7 établissements de formation professionnelle, 91 enseignants et inspecteurs constituant la première vague partent en Chine pour une formation de 4 mois. Une formation qui s'inscrit également dans le cadre de l'Académie des talents. Aucun pays dans le monde ne s'est développé sans l'enseignement technique, sans la formation professionnelle. C'est-à-dire que si vous aviez un bon ouvrier qui construit un bon bâtiment, je pense que ce bâtiment va résister, ne va pas tomber. Or, pour que ce bâtiment ne tombe pas, il faudrait donc que la formation de base, cette formation professionnelle et technique, soit solide et consistante. Au cours des échanges au lycée technique avant leur départ pour la Chine, le ministre Kofi Nguessan indique qu'ils sont l'avenir de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire. Le président de la République et le gouvernement ont autorisé la construction de 7 nouveaux lycées à Ebimpe, à Yamoussoukro, à Diabo, Dabakala, à Gweleban, à Korogo et à Kong. Et pour anticiper, vraiment, c'est vraiment pour anticiper sur la formation des formateurs. Et dans le cadre de ce projet, il est prévu que des formateurs aillent en Chine pour comprendre d'abord le fonctionnement de ce nouveau lycée et approfondir leurs connaissances dans les matières pour lesquelles ils ont été recrutés ou ils seront recrutés dans ce lycée pour faire des enseignements de qualité. Au total, ils seront 199 enseignants et inspecteurs de l'enseignement technique et professionnel à être formés à la fin du projet AVIC.